Le roi Charles III sera couronné le 6 mai prochain. Il attend le prince Harry et son épouse, qui sont invités. Ce dernier pourrait d'ailleurs bénéficier d'une option assez inattendue. Le prince Harry et Meghan Markle vont-ils vraiment accepter l'invitation de Buckingham Palace et se rendre au couronnement de Charles III? Jusqu'ici, les Sussex n'ont pas donné de réponse ferme et définitive. Mais si le papa d'Archie et de Lilibet décidait de venir en Grande-Bretagne, il aurait le droit de rester au Frogmore Cottage. Il serait également possible pour Meghan Markle de faire le déplacement et de loger dans cette propriété. Il faut dire que cette possibilité arrive au même moment de l'annonce du roi Charles III qui a décidé d'expulser le couple de ce même lieu. Je peux confirmer que le duc a récemment reçu une correspondance par courrier électronique du bureau de Sa Majesté concernant le couronnement, a indiqué un porte-parole du couple. Ce dernier poursuit, une décision immédiate quant à la présence du duc et de la duchesse ne sera pas divulguée par nous pour le moment. Ce week-end, le prince Harry a d'ailleurs participé à une interview lors de laquelle il a déclaré qu'il se sentait de plus en plus éloigné de ses proches. J'ai réalisé que j'avais appris une nouvelle langue et que les gens dont j'étais entouré une fois, ils ne parlaient pas la langue, et donc je me suis senti plus mis de côté. Le duc a également affirmé que partager son traumatisme dans ses mémoires à succès père était un acte de service. Les confidences terribles du prince Harry sur son enfance concernant les critiques qu'il reçoit, le prince Harry rétorque, plus il critique, plus je ressens le besoin de partager. Lors de cette interview, le duc de Sussex a indiqué que ses souvenirs d'enfance étaient incroyablement douloureux et qu'il s'était toujours senti légèrement différent des autres membres de la famille royale. Je me sentais étrange d'être dans ce conteneur et je sais que ma mère ressentait la même chose. Cela a du sens pour moi. J'avais l'impression que mon corps était là-dedans et que ma tête était sortie et parfois c'était l'inverse.